bienvenue sur la chaîne Monsieur Uff. On continue le tour de Russie qu'on va bientôt terminer, puisqu'on est remonté très au nord. Enfin, on est arrivé à proximité de Moscou, donc on va faire un petit crochet par Saint-Pétersbourg pour tester la version bêta 6 de notre X-Plane 12 favori, avec un avion que j'ai déjà essayé dans la bêta 5, qui est aussi un avion en bêta, mais qui marche, qui est un des seuls avions qui fonctionne très bien à mon sens, puisqu'il fait les ILS parfaitement, il suit son plan de vol et tout, qui est le 767-300 de Flight Factor. Hein. Je suis en 15 FPS, donc pas terrible, mais j'étais jamais mieux, moi, avec mon X-Plane 12. Et là, vous voyez, ça s'est amélioré. Hein. Au niveau des définitions des arbres, ça n'a plus rien à voir avec la Beta 5, hein, qui était... même la tour de contrôle, tout ça, ça s'est bien, bien amélioré. Donc, c'est beaucoup plus beau déjà avec les mêmes FPS, c'est ce que je veux. J'ai mis une météo personnalisée pour avoir des nuages, hein, et de la pluie, ce que je fais à chaque fois, parce que sinon on peut avoir on n'a pas de nuages, donc on peut pas tester. Très bien, donc ici le volume toujours pareil, c'est trop fort, mais on peut pas régler, hein. Si on fait ça, voilà, on n'entend plus rien. Donc ça n'a pas changé. Il faut qu'on regarde combien on va utiliser de carburant prévisionnellement. On va dire 8 tonnes en bloc. 8 tonnes en bloc. Alors, dans les opérations, donc ça, j'ai pas retouché. Il faut mettre le fuel truc. S'il veut bien, le passager bus, le get config, non, l'a pas. On peut mettre le load unit, ça j'ai pas vérifié si ça fonctionnait maintenant. L'ester, les chocs, on va dire que on a 120 personnes. On va laisser, on a dit 8 et 4. 12, on va laisser le fuel tel qu'il est, hein, par défaut. Il faut ouvrir les portes. Alors là, on va ouvrir tout ça. On va voir ce que ça donne à l'extérieur. Donc c'est un vol complet, hein, qu'on fait. Donc oui, le grand unit, il se met derrière là-bas. C'est bizarre. Hein. Alors, donc c'est celui-là. Je sais pas. Oui, c'est celui-là pour là. Et cela, il ne fonctionne pas. Donc est-ce que ça load? Donc on va essayer. Oui. Donc il me load tout le monde. Donc le load unitaire, c'est un grand qui est là. Voilà. Et puis le passager. Oh ça va. Hein, c'est pas. Si c'est bien. C'est bien. Donc ça fonctionne bien. La végétation, c'est un peu mieux. On va voir. Ici, on va s'occuper de démarrer l'avion quand même aussi. Non mais qu'est-ce que vous en pensez? Alors, bon, ça n'a pas changé. Hein. Il faut mettre la batterie. La PUGEN, il faut mettre du fuel. Et il faut mettre ça. Mais ça, je vous renvoie au démarrage du 767. Hein. Très si j'ai laissé. Donc
ça va. On va attendre que ça démarre. Ça, c'est tous mes trucs qui sont commencent à allumer. Tu peux regarder si c'est bon. Ça enregistre. J'en suis où ici? Eh bien, on va faire un optimize CJ. On va faire un airplane close all. On va faire un welcome. Ladies and gentlemen, Ah oui, this vous is the head entendez, purser. hein? The crew would like to welcome you on board this Boeing Donc, airliner. If you le haven't passager already done so, please plus. stow your carry-on luggage underneath the seat in front of you or in the Voilà. overhead bin. The flight On crew will est do everything possible to make your flight bon. comfortable and enjoyable. Explain docile, step two sky and flight factor wish you a pleasant flight experience. Il nous dit qu'il est rune. Donc rune, et ben rune. Rune, les utility bus et toute notre bazar. Ici, la ligne. Ah, est-ce que ça marchait moyennement? 7 minutes. Donc, voilà, ça marche plus. Ces machins-là, ça marche plus. C'est pas grave. Alors, ici, les hydrauliques pompes, on met tout en route, on met l'auto. Les yeux d'ampeur, on peut les mettre, il les mettra quand tout est fermé. Là, c'est bon. Ici, on a mis sur auto. Ici, on n'a rien mis. Ça, c'est pour. Alors, est-ce qu'on met du réchauffe cargo? Non. Là, on a armé. Je sais jamais. Ça, on est sur les deux, c'est bon. On continue. Les wings, on met pas. Les positions, on peut les mettre parce qu'on n'aura pas de. On n'aura pas de pushback hein, là où on est. Hein. On peut mettre des lumières. Le landing altitude, on va mettre 200. Je sais pas combien c'est à Saint-Pétersbourg. Ici, les Windows Heat, il faut tout mettre. Les passagers sign auto. Le red, on le met là et là on met à auto 2. Ici, il faut mettre du chauffage, sinon ça va crier. On met les trimmers, le recircle, l'auto. On va mettre nos packs à on. Si j'y arrive. Ici, on va mettre les packs à on. Eh bien, on a tout fait. On va regarder l'altitude de landing. Ça fait beaucoup de bruit. Hein. Eh oui, mais si je les mets pas après, il va me tout me refroidir. C'est pas bien. 79 pieds. Donc ici. On va mettre 100 pieds. Hein. Bah. Ici, on a tout fait. On peut s'occuper de notre FMS. On va bien sûr entrer notre IRS position. Là, je ne comprends pas parce que. Ah, j'ai téléchargé bon, c'est pas grave, hein. J'ai téléchargé la dernière version, mais je sais jamais où il faut le mettre. Le
On est chez ULWC. Alors, c'est pas ça. ULWC. Oh, ok, ça me fatigue. Oh, oui. Ici, on n'a rien qui s'affiche. Ici, on peut allumer. Ici, au niveau, il n'est pas encore aligné, mais c'est pas grave. On peut mettre Not in Database. On peut mettre ça. Moi, hier exposition Navstab Inhibit. Ref aéroport. Pourquoi il me l'a pas mis? Oh, j'ai peut-être pas fait entrer. Qu'est-ce qu'on a dit que c'était? LWC. Alors, LWC. Paf. E, 5E, c'est bizarre, c'est pas la même chose. Bon. On en est où? Route. Co-route, c'est donc U, UL, UL, WC jusqu'à Saint-Pétersbourg qui est Uli. Lit 01. Alors je rappelle qu'il faut le mettre dans le répertoire. Hein. Flight numéro, c'est toujours mon flight. C'est toujours mon flight que je préfère. On fait activate. Alors, exec les départs. Me l'a pas mis évidemment, mon départ c'est la 21 à la Sidirbu 1H 21 et la Sid Irbu 1H, c'est ça? Irbu 1H, ok. Trans, il n'y en a pas. Exec arrival index arrival, c'est chez Uli et Saint-Pétersbourg. On arrive par la 28LZ, ILS 28LZ, et la transition c'est Arnat. Arnat, exact. Ça c'est pour la route. Qu'est-ce qui ensuite c'est bon? On va voir s'il y a des machins. Climb, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Donc ça, c'est parce que il faut attaquer les perfs. Alors, les perfs. Ici, c'est bon. Réserve, on va dire que j'en ai deux. J'espère qu'il va bien. Et la cruise altitude, on a mis 18 000. FL 180. C'est bon, le cost index, on va dire que c'est 45. Et le vent, on va dire que c'est du 166 de nœuds. Voilà, j'en étais sûr qu'il me ferait ça. Donc réserve, on va mettre 0. Ça, c'est pénible parce que ça correspond pas. Mais c'est pas grave. 66 de K. 166 de nœuds. Pink, le tech off. Les flaps, je sais jamais, c'est 15 ou 5. Je sais jamais, puisque je confonds entre les deux. C'est donc 15 les flaps. Ça aussi. 15. Trust, on va mettre 40. Le CG, il est à 0,5. Et les vitesses, elles sont là. Voilà.
ça c'est bon de le slope, je sais pas s'il y en a référence machin nav data, non c'était pas fa, j'en étais à perf take off ah donc tout ça ça marche bien hein. 130 il me l'a mis, l'altitude il m'a mis 10 000 mais on va plutôt mettre l'altitude l'altitude là ici bon, 0 ça veut dire qu'il est aligné donc on va mettre sur nav 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 ici il est bon. On a bien notre plan de vol. On n'a pas vérifié si on avait des trous. Il y en a un. Donc Arnat, hop. Il faut que le plan de vol soit complet. Next page. ULI 26, 190. Ça, on va voir après. Donc ça... Pour le FMS, on va dire que c'est bon. Ici, c'est électrique 2. Ouais, je vois pas pourquoi est-ce que j'ai oublié une électrique 2. Non, c'est bon. Électrique, bon. C'est bon, tout est bon. Ici, tout est on. Le ciel est magnifique. Eh bien, on va pouvoir s'avancer. Hein? Alors, ça, c'est toujours quelque chose que j'aime pas parce que les tickets, je les ai pas mis, évidemment. Comme à mon habitude, mais ça vous avez l'habitude. Hein. 4007 en stand de bi. Ici on met les choses. Si on peut mettre ça, on verra après. C'est l'ILS. Est-ce qu'on ce que on doit régler, c'est notre. Notre take off 05. Alors 05, c'est pas du tout ça. Hein. Ah, ça m'énerve les joysticks. Donc 05. Donc c'est avec un bouton que je fais ça. Hein. Il n'y a quasiment pas de... On est au minimum. On lâche. Donc j'espère que c'est bon, ça. Bon, on peut regarder dehors. Donc... ah non, c'est mieux. Hein, c'est mieux les... C'est quand même mieux. On a les mêmes FPS que j'avais sur la version... bêta 6 et au niveau de la définition c'est quand même beaucoup mieux, c'est quand même beaucoup mieux. Ouais, j'ai rien changé hein, donc c'est vraiment la bêta. Ici je suis bon. Donc, qu'est-ce qu'il me dit? Caution. Ça va mettre à moins. Caution, il y a quelque chose, je sais pas. Oui, bah oui, je sais que j'ai pas démarré les moteurs. On va les démarrer, hein. Alors, le RTO. On va le mettre. Que j'oublie rien. Non. Ici. Alors, pour démarrer les moteurs, donc on a nos circuits qui sont ouverts, on a la pompe, et
bien, on fait le GNR et on attend que notre chose monte. 7-8. Non, ça va pas. À chaque fois, je démarre d'une manière. Non, non bien. Non, non bien. Off. Ce qu'il faut faire, c'est couper ça et enclencher ça. Alors, on va voir pour avoir le. On recommence. Est-ce que ça marche mieux? Beaucoup mieux. À la fin, je vais finir par y arriver, hein. 16, 8, 16, 6, hop. Est-ce que ça fonctionne? Oui. Je vérifie que j'ai bien mon 0. Ça y est, il a remis le bouton à off. Donc là, on peut remettre sur auto. Ici, on enlève. On démarre celui-là. Et on démarre le gauche. Le gauche. Le gauche, le gauche, le gauche. 14, 15. Allez, hop. On aura démarré nos deux moteurs. On va regarder comment ils sont démarrés, les hélices. Hein. Voilà, là on a presque tout. Je peux couper pour le moment. Voilà, qu'il y a tout qui se. Alors, on a toujours le. Ah non, l'hydraulique. Engine off, le pack off. Ben, on va les mettre on. Alors, on. Ah, on a dit. Engine off, engine machin. Il faut mettre nos. Notre électricité, on a L pack off. Pourquoi il est off? Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, on n'a plus que parking brake, donc c'est bon. Qu'est-ce qui nous reste? On va éteindre la PU. Hein? Hop. Non, c'est pas la PU ça. Oh là là, c'est ça la PU qu'il faut éteindre. Oh. Ici. Hop, gen off et APU off. APU gen off, bah oui. Voilà. On n'a plus que le parking brake. Donc il faut aller au parking. Alors, ça évidemment, on va essayer de voir si comment la carte est bon. Ça, c'est vrai que ça s'est beaucoup amélioré. Hein. Alors, faut que je parte de la 21. Donc la 21, c'est celle qui est en bas. You, je vois rien, lui. Donc je vais faire demi-tour sur la gauche tout de suite et remonter la piste. On est pas d'accord? Et allez-y, go, on y va. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? On va mettre les flaps parce qu'on va les oublier. Alors, 1, 2 et 3, ça fait 15. Je vais vérifier, hein. Ça fait bien 15, c'est ça. 15, ça c'est bon. On va lâcher le. Et on va mettre un peu de puissance. Pas trop, parce que il va se carapater. Donc au niveau du rendu visuel, c'est beaucoup mieux. Maintenant, on va voir quand on vole. Je prends un avion qui marchait, hein, parce qu'il y a plein d'avions qui marchent, qui ne fonctionnent pas encore. Celui-là, je pense que c'est pour ça que c'est un des avions que je préfère, parce que il est vraiment,
Il est formidable. Moi, je le trouve formidable. Ah, là, c'est assez joli, le reflet du soleil. Bon, j'ai pas un niveau suffisant de graphique pour avoir les flaques d'eau impeccables, mais c'est pas mal quand même. Bon, je vérifie. Oui, on va bien là où il faut. Donc, la carte qui s'est améliorée, c'est pas mal, à mon avis aussi. Je suis où là? Non, il faut que je continue à tourner. Hein. C'est ce qu'il me dit. C'est bizarre parce que j'ai rien. Alors, on va aller par là. C'est bizarre. Hein. C'est bizarre. On va vérifier. On fait une pause. On va vérifier sur Little Nav Map. Parce que j'ai l'impression. Ouais, c'était de l'autre côté. Il faut que je fasse. Il faut que je fasse un tour complet. On va essayer de faire un tour dans ce sens-là. Plus joli les arbres. Hein. Je sais pas si je vais arriver à faire mon tour, hein, mais non, c'est beaucoup beaucoup mieux. Hein. C'est beaucoup mieux, c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup mieux. Est-ce que j'arrive à trouver ma sortie là? C'est long, hein. Je vais la trouver, je sais pas. C'est pas là. Ah. Est-ce que les cartes seraient fausses? Non, voilà, elle était juste derrière moi, c'est pour ça que je la trouvais pas. Ah, puis elles sont pas grandes, hein. On n'est pas sur un gros gros aéroport. Ils sont beaux les nuages, hein, là par contre. Ça, c'est assez joli. Bon, je fais un vol complet pour que vous voyez un peu le aussi donc au niveau du FPS, je suis limite limite, hein. Je suis à 10 au niveau des FPS, mais bon, moi ça me fait pas trop de frozen ou de freeze, je sais pas comment on appelle ça, les frozen freeze. Des lags, je sais pas comment on appelle ça, pourquoi on appelle ça des lags. Mais pas, je pense que dès qu'on sera en haut en vol, ce sera moins. Ouais, mais il faut tester avec les nuages et la pluie, hein, parce que sinon les FPS sont bons, mais. On a tout ce qu'il faut, il n'y a pas de raquettes, ça j'aime pas. Ça j'aime pas. Bon, il n'y a rien, il n'y a pas de raquettes, il y a ce tout petit bout là. Auto, faut qu'on mette les flags director, camarade. Hein. Essayer de tourner, je sais pas comment on va faire, mais très bien le ciel, très bien. Moi je trouve très bien le ciel.
contre, là, je sais vraiment pas comment on va faire pour tourner parce que c'est un gros avion, hein, et voilà, c'est un petit gros avion, petit aéroport. On va essayer de tourner le plus possible. Là, je vais aller dans l'herbe, donc ça va pas être terrible. Alors, on y va. On va être dans l'herbe, c'est pas grave. On va essayer de tourner. Je relâche les freins un peu parce que je suis dans l'herbe quand même, hein. Je suis quand même dans l'herbe. Par contre, on voit rien du tout là. C'est tellement bien fait là maintenant le soleil que on est complètement ébloui là. Je sais pas où est mon centre. On va dire que c'est à peu près là. On va se mettre quelque chose comme ça. Ok. Ok. Donc le flight director. Ici, il faut mettre le LNAV. Qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis les flaps. J'ai pas une répétition. J'ai pas mis le. J'ai pas mis notre. Notre mâche. Notre QNH, alors ça c'est pas bien. Ça c'est pas bien. Notre QNH, c'est quoi? 1008, 1008, 1013. Oh bah 1013 ou 1008? Ah, 1013, comme ça. Je suis à 1013. Mais ben voilà. Hein. Bon. Donc ça c'est bon. Ici, il faut tout de suite partir sur la gauche. On va dire au passager safety Ladies and demonstration. gentlemen, Voilà. we Sinon request il your va. full attention as the flight attendants demonstrate the safety features of Voilà. this aircraft. When the seat belt Mais non, sign mais parce que illuminates, sinon you must le fasten your seat HDG, je peux le belt. Insert mettre. the On est metal en fittings one into 207. the other. Tighten it by pulling on the loose end of the strap. Alors, on va To release your seat belt, lift the upper portion of the le buckle. 207. We suggest that you keep your seat belt fastened throughout the flight, as we may experience Voilà. turbulence. Please, take a few 18207. moments now to locate Ça, your c'est nearest exit. enclenché. In some cases, your nearest exit may be behind you. If we need to Ah ouais, ça j'y evacuate the touche aircraft, pas parce floor que level lighting will guide you j'ai. towards the exit. Doors can be opened by Non, c'est moving pas the mal, hein. handle in the C'est pas direction. mal. C'est pas mal. Bon, là, les arbres. Ah si, ça c'est pas mal. Ça s'est amélioré le. Les. Ça s'est amélioré. Ah ouais, c'est pas mal hein, quand même. C'est pas mal. J'ai une petite photo pour mettre sur le site. Hein. Of your head and your elbows Il a against your toujours pas thighs. fini, lui. Ensure your feet are flat on the floor. Life vests are located in a pouch under Tout your seat gars, je sais or pas si between j'ai the fait un armrests. bouton. When instructed to do so, open the plastic pouch. Remove the vest, slip it over your head, pass the straps around your waist, and adjust at the front. To inflate the vest, pull firmly on the red cord. Only when leaving aircraft. Je sais pas si If j'ai you mis need des. to refill the vest, blow into the Est-ce que j'ai mouthpieces. mis des. Use the whistle and light to attract attention. Also, your seat bottom cushion can be used as a flotation device.
pull the cushion from the seat, slip your arms into the straps, and hug the cushion to your chest. The following electronic devices: smartphones, CD players, laptop computers. Il y a des petits soucis des fois, hein, de représentation. Mobile telephones, remote controlled toys. Electronic devices operating with an antenna must be turned off at all times. Mais il raconte sa vie, lui. That this is a non-smoking oh, c'est dingue. Tampering with, disabling, or destroying. Qu'est-ce que j'ai mis? J'ai bien mis les on, là. Whipper, j'en mets pas. Auto, je laisse. Oh, no smoking en auto. Là, il est en train de parler. Ah, il est en train de parler. Donc ici, en fait... Cabin crew, please take your seats for takeoff. Allez, on y va, takeoff. J'espère que je l'ai fait, hein. En tout cas, j'espère qu'il va accélérer. Ouais, c'est pas au niveau visuel, c'est pas terrible, hein. Voilà, c'est pas mal les montagnes. Là, ça devrait décoller. Ça décolle. Elle nave pink 3002. Non, 2000, je préférerais enlever un cran de flap. Ah, pas mal, pas mal, pas mal. Petite photo. Alors, c'est petit, on enlève le. Encore un cran de flap. Ici, on met. Non, ça c'est mis à off. C'est bon. Mon troisième cran de flap. J'ai pas d'auto-throttle, alors évidemment. Flaps limite. Oui, mais je les ai enlevés. Overspeed. 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 Donc ça, ça fait la même chose que j'ai remarqué sur pas mal d'avions. L'auto-throttle marche plus. Il fait des overspeed tout seul. Puis il y a un overspeed en montée. Désolé, mais... Désolé, mais c'est impossible un overspeed en montée. Bon, les flaps, ils sont là, ils sont bien à zéro. Ils continuent à monter la vitesse, hein. Donc là, il y a un problème toujours de... De throttle, hein. Parce que là, je baisse complètement, il devrait descendre de vitesse alors qu'il est en pleine montée. Ah non, il fait un overspeed. Ça va pas du tout. Hein. Ça ne va pas du tout, ça.
Overspeed. J'arrive pas à le. Non, ça ne va pas. Je sais plus ce que je voulais faire. Oui, je voulais mettre le. Voilà, le standard. 356. J'ai mes. J'ai mes trottles qui sont à idle. On va mettre Vénav. Il n'en veut pas de Vénav, évidemment. Oui, c'est encore un bug, ça aussi. Que j'ai toujours pas compris. J'ai pas le. J'ai pas les trois pages qui manquent. C'est pas grave. Hein. Il descend un peu. Je suis sûr si je remets l'autotrottle, il se remet à aller à 300 à l'heure. Est-ce qu'il est à 2000 toujours? Il est toujours à 2000.